Dis-moi, ça serait pas un groupe de 5, ça? Voilà, tu regardez. Regardez, hein. 2-4, 2-3, 2-9, 4-9, 5-8. C'est encore Bilby qui doit jouer tout seul. C'est pas des alliés, ça, c'est des ennemis. À l'aide. Ouais, c'est exactement ça, c'est le truc de Sardoche. À l'aide. Et je leur tape la nuque en plus. Putain, je suis monstrueux. Je suis putain monstrueux contre des mecs en TKD en groupe de 4. Je suis un monstre. 1 contre 11, je te tape la nuque. Tiens, regarde. Regardez. Les mecs, chaque fois qu'ils me parlent de River Boost, quand je leur tape des nuques. 2,70, hein. Et ça me parle de River Boost tous les jours, hein. Dans l'espace des commentaires YouTube. Yop les tryhards, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops Cold War, et même durant cette session de ban, je me suis dit que j'allais vous sortir plein de vidéos. Et du coup je vous ai ressorti un ancien gameplay. Je vais jouer tout seul contre un groupe de francophones. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils sont dans le top mondial. Top 08 mondial. Parce que c'est assez marrant dans l'espace des commentaires, le fameux tu affrontes des bots, etc. River Boost, c'est très drôle. Mais là vous allez vous rendre compte quand je joue tout seul, avec des alliés complètement catastrophiques, comme t'as pu voir à l'intro. Parce qu'ils étaient horribles. Ils étaient horribles, mes alliés. Et quand je vais jouer contre des mecs qui savent jouer correctement en face. Et le pire dans tout ça, c'est que vous allez voir jusqu'à la fin, je vais taper une nucléaire en moins de 3 minutes. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau. Abonne-toi, active la petite cloche de notification. Et surtout, n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires si vous kiffez ce genre de vidéo. Genre, taper des nucléaires, des putains de grosses nucléaires, contre des mecs qui se retrouvent dans le top 0,8% de la communauté mondiale. Et vu que c'est un gameplay très compliqué, nucléaire en moins de 3 minutes, contre des personnes qui ont 2,70 de KD, n'hésitez pas à défoncer la barre de like! Martyrisez-la! 1000 likes en moins de 24 heures, frérot! Défonce-moi la barre de like! Et je tiens à vous rappeler qu'on est tous les jours en live sur Twitch, twitch.tv/loctetou, à partir de 8h du matin, généralement jusqu'à midi, 13h, ça dépend des jours évidemment. Et en ce moment, on est à plus de 350 viewers constants sur Cold War. C'est vraiment insane ce qui est en train de se passer, c'est juste magnifique. Bon, let's go pour raid. Il vaut mieux jouer contre combien de bots quand tu entraînes ton shoot? Oh, ça c'est comme tu décides, frérot, y a pas un truc spécifique. Pourquoi j'ai le level 3 avec moi là? Bon, par contre, c'est du bon FR, là. Non, ça, c'est du FR. Ouais, je me souviens, mais je pense que les autres, ils m'entendent, c'est possible. Ah. C'est où, paramètres? Vas-y, let's go. Ah ouais. 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 En plus, c'est une gameuse. Ah, Big Shaq, pourquoi t'essayes absolument de faire ça, en fait? On sait très bien que tu vas terminer en négatif durant cette game. Ok. Mais non, c'est bon. J'ai mute, c'est incroyable. Genre, ils sont même pas déjà concentrés dans la game, ils en ont rien à foutre. Tu l'as? Allez, devant toi. Devant toi. Pardon? Ah, ils étaient deux, d'accord, ok, ils étaient deux. Ouais, non, mais déjà, les alliés que je joue, ils sont... Oh, non, mais déjà, les alliés que je joue, The Juju, zéro kill. Oh mon dieu. Non mais c'est quoi les alliés que j'ai là?
Je suis désolé hein, si je parle pas, mais vous avez bien compris que mes alliés se font arracher la gueule et que si je joue pas... Voilà, regardez. Regardez, hein. 2-4, 2-3, 2-9, 4-9, 5-8. C'est encore Bibi qui doit jouer tout seul. C'est Bibi qui doit sortir une fissade contre des tryhards. C'est quoi cet équilibrage de merde, Call of Duty? Je suis censé jouer comment? Bien sûr que tu me mets des level 3 avec moi. C'est pas drôle, en fait. Je suis obligé de tryhard pour pas essayer de me prendre un truc. C'est lourd. J'appelle pas ça des alliés en fait. J'appelle ça de la merde. Et harp ennemi, allez, c'est parti. C'était évident. Mais tu veux que je fasse quoi en fait? Tu veux que je fasse quoi? Je joue seul, il est en 18-1 l'autre. Tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je fasse quoi en fait? C'est pas des alliés ça, c'est des ennemis. Tu vois, c'est même moi qui dois m'amuser à casser leur série. Si je casse aucune série, je vais m'en prendre une en fait. C'est ça le problème en fait. C'est 1 contre 11. C'est grave. Calme, je sais comment jouer à Call of. Bah non, tu poserais pas la question en fait. Tu serais pas en train de poser la question en fait. Jamais tu poses la question lorsque tu vois très bien que je joue tout seul en fait. Tu l'as? Compliqué de jouer seul, hein, c'est... Les alliés qui regardent même plus le middle. Je peux rien faire, hein, littéralement parlant, je ne peux rien faire, en fait. Ouais, merci, voilà. Merci les alliés, hein, vous êtes d'une utilité incroyable. 11-15, 11-19, 9-21, 9-17, 0-0. Vous ne servez à rien. Et comme par hasard, c'est Bibi qui doit les avoir en fait. À l'aide! Ouais, c'est exactement ça, c'est le truc de Sardoche. À l'aide! Sauvez-moi! C'est plus possible là. Ouais, l'allié, c'est bien, tu voles mes kills, là, c'est... Tu vas faire exactement le même move, mais t'es complètement éclaté.
Peut-être essayer un peu de les retarder, mais... Je pars du principe que ça va pas être possible. On va attendre. Ok. On a attendu le très bon moment. Devoir gérer un groupe de francophones tout seuls qui m'ont reconnu hein, et qui sont en train de me tryhard, mon dieu la complexité. Hein. Je vous dis pas que c'est hard. Hein. Je vous dis pas à quel point c'est hard de jouer 1 contre 11 contre un groupe d'abonnés. Je vous cache pas que c'est d'une complexité, mais absolue. Qu'est-ce que c'est trash hein. Pire dans tout ça, c'est que je leur tape des séries, quoi. On va attendre. Ouais, lui, il a pas trop compris mon brain, hein. Je leur tape la nuque en plus. Putain, je suis monstrueux. Je suis putain monstrueux quand des mecs ont te gardé en groupe de 4. Je suis un monstre. 1 contre 11, je te tape la nuque. Putain. Jouer tout seul contre ce genre de personne. Allez, putain, 86 bons, quoi. Tu joues tout seul avec des alliés de merde, c'est, tu fais tout. Tu vas tout faire dans cette game. Vous voyez pourquoi je dois... Vous comprenez pourquoi des fois, je ne peux pas, en fait, jouer et parler en même temps à cause du SBMM. C'est à cause de ce genre de lobby. Je suis tout seul dans ce genre de lobby. Avec un 3KD. Et je suis obligé d'être. De jouer à 3000% pour que mes alliés ne se fassent pas enculer. Voilà qu'est-ce qui se passe quand tu es dans le 0,4% de la communauté et que tu peux pas jouer chill. T'es obligé d'être à 3000% pour pas déjà te manger des séries. Et deuxième des chances, juste pour t'amuser. Je ne comprends même pas. Pourquoi on m'a fumé un putain de niveau 3 et que c'est à moi de venir la carry en fait. Et ça malheureusement les personnes des fois sur YouTube ne comprennent pas pourquoi je suis obligé de pas parler en fait. La nuque est magnifique, y'a rien à redire. Les mecs en face étaient forts, bah ils avaient un minimum de niveau. Hein. Moi je parie que le Evo's machin truc, je vais regarder ses stats, il est tout sauf mauvais. Tiens, regardez. Les mecs chaque fois qu'ils me parlent de River Boost quand je leur tape des nuques. 2,70 hein. Tu vois, regardez les mecs hein, qui parlent de River Boost, etc. 2,70 de KD, hein. 2,42. Et ça me parle de River Boost tous les jours, hein, dans l'espace des commentaires YouTube.
On peut regarder le Apo, mais je sais pas si le Apo, on va voir quelque chose. Non, le Apo, je le trouve pas. Peut-être qu'il est un peu plus... Faudrait des matchs classés, ça serait plus simple pour l'organisation des BC, ça, parce que des bas level qui ne savent pas jouer, ça commence à être lourd. Ouais, c'est ça, mais c'est toujours avec moi, en fait. C'est ça qui m'énerve. C'est que je m'en fous qu'il y en ait, tu vois. Mais, je veux dire, même l'équilibrage n'était absolument pas équilibré, là. C'est son pote que je voulais voir. Le Apo. Ah, mais ça bug, en plus. Putain, en plus, il est en groupe avec l'autre. Putain, on peut voir le Badger. PSN. Ça va, c'est correct. 1,49. Par contre, le Apo, je le trouve pas. Peut-être qu'il s'appelle juste Apo. Hein. Mais je le trouve pas comme ça, en fait. Dommage. J'aurais bien voulu avoir les stats. Dommage. Peut-être que je le trouverai autrement. Non, je trouve pas. Bon, tant pis. En tout cas, ils jouaient bien, il n'y a rien à redire. De nouveau, c'est pas les mecs en face que je suis en train de critiquer. Je peux pas critiquer qu'ils jouaient bien, il n'y avait rien à critiquer. C'est juste les mecs jouer avec des mecs comme ça, toujours avec moi, parce que t'as 3 de KD et que tu dois taper une meuf qui s'appelle The Juju level 4 et que ça doit forcément tomber avec toi parce que t'as 3-10 de KD, c'est lourd à la longue. Vraiment, c'est lourd.